Au cœur de l'œuvre de Colette réside un intérêt profond pour la résilience de l'esprit humain. Elle est attirée par des personnages qui, malgré leurs existences apparemment banales, possèdent une profondeur cachée et une capacité à la fois à une grande force et à une grande vulnérabilité. Dans ses romans, elle plonge dans la vie de gens ordinaires confrontés à des circonstances extraordinaires, souvent avec la France rurale en toile de fond. À travers leurs combats, elle éclaire les expériences universelles de la perte, du deuil, de l'espoir et du pouvoir persistant de la volonté humaine de survivre. Les personnages de Colette sont souvent imparfaits et complexes, ce qui les rend d'autant plus attachants et leur parcours d'autant plus captivant. Les romans de Colette sont profondément ancrés dans la campagne française, un décor qui est bien plus qu'une simple toile de fond à ses histoires. Le paysage rural, avec son isolement, sa beauté et ses réalités difficiles, devient un personnage à part entière, façonnant la vie et le destin de ses personnages. Les forêts, les champs et les petits villages de la France rurale procurent un sentiment à la fois d'enfermement et de libération, reflétant les luttes intérieures des individus qui habitent ces espaces. La nature, entre les mains de Colette, est à la fois source de réconfort et force redoutable, à l'image de la nature imprévisible de la vie elle-même. Madeleine avant l'aube, publiée en 2023, témoigne de la capacité de Colette à créer des récits à la fois chargés de suspense et émotionnellement forts. Le roman suit Madeleine, une jeune femme qui, après un événement traumatisant, se réfugie dans un village reculé de la région des Cévennes, en France. Isolée et hantée par son passé, Madeleine se retrouve plongée dans la vie des villageois, une communauté soudée aux prises avec ses propres secrets et difficultés. Alors que Madeleine s'habitue à son nouvel environnement, elle est obligée d'affronter ses propres démons et trouve finalement la force de reconstruire sa vie. Cinquième partie, le parcours de Madeleine. Affronter les ténèbres, trouver la force. Le voyage de Madeleine dans Madeleine avant l'aube est un voyage de découverte de soi et de guérison. Le roman explore les thèmes du traumatisme, de l'isolement et de la quête d'appartenance. Alors que Madeleine se débat avec les séquelles de son passé, elle trouve du réconfort dans la beauté naturelle des Cévennes et dans la gentillesse inattendue des villageois. À travers leurs histoires et leurs expériences communes, elle commence à affronter sa propre douleur et à trouver le chemin de la rédemption. Colette dépeint avec brio la transformation de Madeleine, mettant en évidence la résilience de l'esprit humain et le pouvoir du lien dans la capacité à surmonter l'adversité. Sixième partie, écho de la réalité. La vie de Colette nourrit sa fiction. Les expériences de vie de Sandrine Colette ont sans aucun doute façonné son approche de l'écriture et sa compréhension aiguë de la nature humaine. Ayant travaillé comme psychologue avant de se lancer dans une carrière littéraire, elle apporte une perspective unique à ses portraits de personnages aux prises avec des troubles émotionnels, des traumatismes et les complexités des relations interpersonnelles. Bien qu'elle s'inspire du monde qui l'entoure, Colette souligne que ses romans sont des œuvres de fiction et non une autobiographie. Cependant, l'authenticité de ses personnages et la profondeur émotionnelle de ses histoires suggèrent un puits profond d'expériences personnelles dont elle s'inspire. Septième partie, le pouvoir du lieu. La vie rurale comme source d'inspiration. Les cadres ruraux des romans de Colette ne sont pas de simples toiles de fond, mais des éléments constitutifs qui façonnent les récits et les personnages eux-mêmes. Ayant grandi dans un petit village de l'est de la France, Colette a développé un lien profond avec la campagne, un lien qui imprègne son écriture. Elle saisit les rythmes de la vie rurale, les communautés soudées, le sentiment d'isolement et le pouvoir omniprésent de la nature. Les paysages qu'elle décrit sont à la fois familiers et troublants, reflétant la dualité de l'expérience humaine. Huitième partie,
explorer le côté obscur. Le regard sans complaisance de Colette. Si les romans de Colette célèbrent la résilience de l'esprit humain, ils n'hésitent pas à explorer les aspects les plus sombres de la nature humaine. Elle aborde des thèmes difficiles tels que la violence, la maltraitance et l'injustice sociale avec une honnêteté sans faille, obligeant les lecteurs à affronter les réalités inconfortables qui se cachent sous la surface de la vie quotidienne. Ces personnages sont souvent mus par des instincts primaires, leurs actions étant façonnées par le désespoir, la peur et la volonté de survivre. Le regard sans complaisance de Colette nous oblige à affronter les complexités du comportement humain et les frontières souvent floues entre le bien et le mal. Neuvième partie, un héritage littéraire. L'impact de Colette sur la littérature française. Sandrine Colette s'est imposée comme une voix importante de la littérature française contemporaine, remportant de nombreux prix et distinctions pour son travail. Ses romans ont trouvé un écho auprès des lecteurs et de la critique, salués pour leurs intrigues pleines de suspense, leurs personnages fascinants et leur exploration perspicace de la condition humaine. L'écriture de Colette a été comparée à celle de géants de la littérature tels que Georges Simenon et Annie Ernaux, tous deux connus pour leur réalisme sans faille et leur capacité à saisir l'essence de la vie française. Son impact sur le paysage littéraire est indéniable, et son œuvre ne manquera pas de continuer à captiver et à provoquer les lecteurs pendant de nombreuses années. Dixième partie, thèmes universels, attraits intemporels, pourquoi ces histoires trouvent un écho. Bien qu'ils soient souvent situés dans des régions rurales spécifiques de la France, les romans de Sandrine Colette explorent des thèmes universels qui transcendent les frontières culturelles. Ces personnages sont aux prises avec l'amour, la perte, la trahison, le pardon et la recherche de sens et d'appartenance dans un monde qui peut souvent sembler chaotique et impitoyable. L'attrait intemporel de ces histoires réside dans leur capacité à puiser dans l'expérience humaine commune, nous rappelant que même dans nos moments les plus sombres, nous possédons la capacité de résilience, d'espoir et de connexion. Onzième partie, conclusion. Un maître du suspense, un chroniqueur de l'esprit humain. Sandrine Colette est une conteuse hors pair qui mêle de façon transparente le suspense, la perspicacité psychologique et une profonde empathie pour ses personnages. Ses romans sont à la fois des page-turner captivants et des méditations profondes sur la condition humaine. En explorant des vies ordinaires marquées par des circonstances extraordinaires, elle révèle les profondeurs cachées de la résilience humaine, le pouvoir durable de l'espoir et l'impact profond du lieu sur nos vies. Alors que Colette continue de captiver les lecteurs par son regard sans complaisance et son don de conteuse, son héritage de chroniqueuse de l'esprit humain ne manquera pas de perdurer.